Et on est de retour, faut boire. Personne, la dernière fois, personne ne m'a arrêté en me disant « Non, ne mets pas tout ce bois dans le feu, ça ne sert strictement à rien. Tu es dans une grotte, la température ne va pas bouger. Et du coup, on ne va pas avoir une étendue du temps de feu. » Donc voilà, on a plus ou moins gaspillé tout notre bois. C'est pas grave, ce n'est pas grave, ça arrive. Parce que maintenant, on a 20 charbons. Eh ouais. 20 charbons, donc on va pouvoir dessiner. Eh oui. Voilà. Donc voilà. On va pouvoir dessiner. Qu'est-ce qu'il reste à faire avec le lapinou? Lapinou. On a ça à faire. Hop là. On a encore deux morceaux de viande. Je crois que on est en intérieur là. On est considéré en intérieur. Donc on devrait mettre... Genre tout ce qui est viande en extérieur du coup. Parce que ça descend plus vite du coup. Ce qui est logique. Donc on a ça, là on a les pots. Les pots on va les laisser, bon le sac on prend. Parce que là on est encore... Alors attendez, qu'est-ce que je réfléchis? On est encore... Alors vous voyez la map. Donc on est à peu près là. Vous voyez. Donc la grotte là, alors là il y a les loups. Je sais, on l'a pas dessiné. Bon, bref. Mais tout ça pour dire que... On peut pas dessiner à l'intérieur. Ouais. Tout ça pour dire que... on est toujours en exploration de la zone. On est en pleine nuit en plus, c'est chiant. On est toujours en exploration de la zone. Point. Point. On est toujours en exploration de la zone. Point. On va laisser ça là. À sécher. Encore une fois, je pense que la suite de la zone, ça doit être une autre zone. Ça doit genre être une autre région. Genre la vallée charmante, je sais pas quoi. Donc du coup... On va un peu mettre de l'ordre. Du coup, on va sûrement pas vraiment trop rester ici. Ça, il faut le faire cuire. Ça, on met là. Ça, on met là. Ok, ça, c'est... Ça, on va prendre celui-là. C'est tout des 1 kg. Ok, par contre, en gibier, on n'a pas tout. Ok, il y a celui-là. Et celui-là, il est... 95, ok, ça va. Il nous faut de l'eau. Il faut qu'on fasse de l'eau. Il faut qu'on fasse de l'eau, bêtement. Donc, ce que j'ai envie de faire... Enfin, on voit pas grand-chose, honnêtement. On va peut-être se balader un peu. Juste histoire de... De trouver un peu du bois. Et après, je pense qu'on va tout simplement... Ou alors des choses, bah voilà, comme des champignons par exemple. Et après, je pense qu'on va tout simplement... Oh, on peut même passer sur la droite. Oh, il y a un pont. Ah oui, il y a le pont. Oui, il y a le pont. Mais on peut passer en dessous, en fait. Ouais, on va juste récupérer quelques petits trucs. Là, il y a de l'eau. J'ai un peu peur qu'on tombe nez à nez avec une bestiole. Genre, je peux passer là? Ça sert à quoi d'aller là? Ah oui, on peut monter par là. D'accord, ok. Et après, on va rentrer dans la grotte et dormir un peu plus longtemps. C'est bête, faudrait qu'on fasse de l'eau. Après, je crois qu'il y en a encore des petits bâtons. Qu'on avait... Ok, attends. Ok, donc il y a des morceaux de glace qui sont pas bons. On va rester vers la terre. Par contre, est-ce qu'on peut continuer ou pas? Oh, il y a une cabane.
Il y a une cabane en plein milieu. Je sais qu'il fait froid, mais... Oh, on peut pêcher ici. Oh non, il y a le brouillard. On peut pêcher ici. Mais c'est magnifique cet endroit en fait. Oh là là. Fait chier. Pas de panique. Gardez de l'endurance si on doit sprinter. Voilà, ça on est bon sur le chemin. Faut qu'on passe le passage où c'est cassé là. Et voilà, c'est à gauche. Et on rentre. Okay. Je pense que ça doit être fragile en fait. Proche. Proche du tronc, ce qui est logique, hein, ce qui est logique évidemment. Donc ouais. Ok, donc on pourrait pêcher ici. Ah putain, c'est bien. Ah, c'est honnêtement pas mal. Je vais être honnête, cet endroit est pas mal. J'ai bien envie de rester un petit moment ici. Parce que de toute façon, à Black Rock, on a plus ou moins fini la zone. C'est-à-dire que, bon, on a récupéré déjà l'objet unique. On a déjà récupéré l'objet unique. On est à combien ? On est à 45. Pourquoi on est aussi lourd ? C'est parce qu'on a... On a déjà 2 kg de charbon. On a ça aussi. On va poser ça là. On va faire ça. Voilà. Parce que on a fini Black Rock. Hein, on faut être honnête, on a fini Black Rock. Il y a plus grand chose à faire dedans. On a l'objet donc unique, donc qui était le gilet pare-balles. On a trouvé donc la fraiseuse et tout ça. On a trouvé le code et tout. Ça nous a pris déjà un bon bout de temps hein, de faire tout ça quand même. C'était pas rien du tout. Donc voilà, on a fait tout ça. Donc on approche au moment où, bah oui, on n'a plus grand chose à faire. Par contre, là j'avoue que... bah on a possiblement... Faut vraiment qu'on fasse de l'eau, fait chier. On a possiblement trouvé autre chose à faire. Un autre endroit plutôt sympa. On fait de l'eau maintenant. Faudrait dormir. On peut faire de l'eau maintenant. Ah non, on va attendre un peu avant de faire de l'eau. J'ai envie d'attendre un peu. Donc autant rester ici pendant un petit moment, j'ai envie de dire. Moi j'ai envie de dire. Autant rester un petit moment ici. On est dans une grotte où il fait chaud, on a le sac de couchage et tout ça. Donc il n'y a pas de problème. On a beaucoup de nourriture. On a plus ou moins tout en fait ce qu'il faut. Là on peut sortir et donc pêcher. On peut... Enfin voilà, il y a beaucoup de choses en fait. Il y a beaucoup de choses. Dans cette région qui est sympa et c'est encore une fois c'est facile parce que il y a cette grotte voilà, tout simplement c'est vraiment facile grâce à la grotte hein. Oh merde, ça sert à rien d'aller voir. Du coup on pourra aller pêcher, ce qui est bien. On va prendre ça, on va faire un petit feu. Par contre, après, on fera quand même un peu attention aux allumettes et tout ça, hein, parce que bon, bah, on n'est pas encore en alerte, mais bon, je préfère garder les choses. Mais oui, parce que pêcher, en fait, bon, c'est pas vraiment parce qu'on a besoin de la pêche pour manger.
Mais comme j'avais dit plusieurs fois, j'aurais bien voulu en fait... J'en ai que 8 de bâtons sur moi. J'aurais bien voulu monter mon niveau au maximum de la pêche. Ça, je l'ai toujours dit. Et la pêche, honnêtement, c'est chiant à faire parce qu'il faut être... quand il fait froid... Voilà. Quand il fait froid, il faut un feu. Enfin voilà quoi. C'est très très chiant de pêcher en intrus. Faut un feu pour se maintenir au chaud. La pêche, ça dure genre plusieurs heures. Il faut faire des longues sessions en fait en plus d'heures de pêche pour pouvoir attraper quelque chose. Surtout au début pour monter de niveau. Nous on doit être niveau 3 je crois. On est niveau 2. Après pour les... On a 8 hameçons. Pour les fils c'est pas grave. Ça il faut juste des boyaux. Pour les hameçons c'est un peu plus compliqué. Il nous faut du métal. Mais ouais, c'est pas mal cette... Je suis content d'avoir trouvé le camp de pêche là. Vraiment content. On a trouvé plein de champignons et tout ça. Eau potable, eau non potable, ça par contre on va faire comme ça. Voilà, comme ça on peut faire les deux en même temps. Faut que je regarde mon feu, 35 minutes. On va reprendre un peu de quelques bouts de bois. Parce que je voudrais faire genre 2-3 litres d'eau comme ça c'est fait. La grotte elle est bien. Enfin la grotte elle est chiante parce que en fait faudrait faire le camp là. Genre à la sortie quoi. Nous on l'a fait en milieu parce que bon c'est un peu plus stylé. Hein, c'est surtout ça. C'est surtout ça. Mais c'est vrai qu'on devait... Enfin c'est pas trop pratique en fait. Hein. Chaque fois faut bien courir. On va prendre ça. Là on va prendre après 1 kg de gibier. Et on va prendre du loup. Par contre après le danger d'ici c'est que il y a, je pense pas qu'il y ait des loups gris parce que la zone est trop petite je pense pour avoir des loups gris. Genre une meute de loups gris ça que je veux dire. Par contre il y a des loups normaux et on en a déjà tué deux. Il y a aussi des lapins. Donc faudra faire attention et on peut pas trop se balader avec beaucoup de nourriture sur soi. Enfin, en tout cas, de viande. De viande, sinon, on va avoir des problèmes. Encore une heure. Ce qui est bien, c'est que... Alors, attendez, fais voir. Ah, ok, on est juste en début de journée. Donc, on va faire ça. Je crois qu'il en faut deux, non? Il faut en faire deux pour que ça passe. On va pouvoir faire des thés. Ça va être notre camp pour le moment. On va dire que c'est notre camp de... Ouais, c'est notre camp pour le moment. À moins qu'on trouve un meilleur endroit. Donc on va faire du 2T de Raichi. J'ai dit qu'on va faire 2T de Raichi. Pourquoi 2? Comme ça, on pourra se... rebooster en fait. Ok, 28 minutes, ça va finir. Ce que je voudrais faire possiblement, ça serait peut-être enlever quelques... Ça, jeter. Ok. Parce qu'en fait, on en a encore à préparer. Ok.
deux. Est-ce que je vais avoir le temps? Ah, j'ai merdé. Désolé, c'est pas grave. C'est pas grave. Ok, let's go. Ouais, je vous lirai. Ok. Je suis en train de réfléchir en même temps, j'essaye de bien. Là, on doit être un peu lourd par contre. On est un peu lourd parce qu'il y a beaucoup de viande. Donc, on va la déposer. Ouais, donc là on a le bonus de chaleur et tout ça. Donc moi je voudrais prendre, voilà, le 1 kilo. Ça on mange. Ça me fera 3. Ok, go. Donc là on pourrait tout simplement aller pêcher si on veut, mais on n'a pas assez de bois. Pour maintenir le feu, hein, et il fait trop froid. Donc on va pour le moment explorer. Alors on pourrait aller explorer sur l'eau. Mais honnêtement c'est un peu la merde. Parce qu'il n'y a pas d'endroit pour vraiment se protéger du vent et tout ça. Donc pour le moment on va rester en hauteur. Genre dans les collines, dans les forêts et tout ça. Comme ça, ça nous protégera un peu du vent de temps en temps. Par contre, je veux voir si on peut vraiment passer par là. Genre, est-ce que c'est vraiment un raccourci? Genre, ouais, on peut vraiment... Oh mon dieu. Okay. On peut vraiment l'utiliser en tant que raccourci. Okay. Et après, là-bas, il y a la montée. Ok, donc on va continuer de ce côté-là. Là, c'est sympa. Honnêtement, je suis content. Oh là là. J'avais peur que l'exploration soit un peu finie. Mais en fait, les deux zones sont bien. Et peut-être la zone d'avant. Parce que là, on est dans le nord, c'est ça? On est dans la zone nord ou la zone sud, je me rappelle plus. Enfin, celle d'avant, peut-être qu'on l'a pas fait à 100% vraiment. Il y a peut-être encore des endroits à chercher. À trouver. Alors, on a le pont... Là on a un monde. Ok, ça c'est le câble. Oh, là-bas. Là-bas, là-bas, là-bas. S'il faisait un peu moins froid, je dessinerais, mais il fait un peu trop froid là. Ah, mais il y a toute une grande zone encore, j'ai l'impression. Alors faut voir si elle est pas défendue par des bestioles. Pas l'air d'avoir grand monde qui vient vers moi. Parce qu'on a 3 morceaux de viande pour le moment. 20 minutes pour ça? Ouh, ça... Ah, voilà. Attends, ah, voilà. On est dans un endroit un peu pourri. Oh, parfait. Ah, il a loupé. Qu'est-ce qu'il fait? Il va sur un autre lapin? Je sais pas ce qui se passe. Je crois qu'il est... Ok, ça on prend. Okay. Je pense qu'il a... Il a vu l'autre lapin et il a essayé... Putain, mais c'est trop bien cet endroit. On va rentrer. Je pense qu'il a, vu l'autre lapin et il a voulu... Parce que l'autre lapin, en fait, venait plus ou moins du même endroit. Donc je pense qu'il lui est passé genre sous le nez. Et du coup, il s'est... Il y a un établi. Non, c'est un établi, ça. Ça tue. Il s'est... Putain, je vais essayer de faire des phrases. Il a voulu lui courir après, sauf que, bon, hein, Interland, c'est un peu comme Bethesda de temps en temps. Donc du coup, bah, ça a pas très bien marché. Et on a pu le tuer. Donc ça veut dire qu'on a encore un sac de viande juste à côté. On a encore un sac de viande. Oh là là, ça tue. Ça tue.
Ah oui, attendez, j'avais oublié ça. Ah merde, ils sont tous froids. Ah, j'aurais dû y penser. Ouais, j'étais tellement occupé à regarder le l'endroit et tout ça, j'aurais dû boire en fait pendant que c'était encore chaud. Mais j'ai complètement zappé. J'ai complètement zappé, c'est pas grave. On a des chaises. Donc pour le bois c'est bien, on a des chaises aussi en métal, donc ça c'est vraiment cool, surtout pour le tissu et tout ça. On a des portes, je pense que genre ça on peut le casser. C'est genre en métal, ouais. Donc on a du métal, donc on a des hameçons à foison si on veut. Non, le saumon. Ah ouais, non, 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 mais on a du bon, hein. On a du... Oh, oh, cet endroit est cool. Sans déconner, cet endroit est cool. Je... Complètement honnête. Complètement honnête. 2 heures pour une chaise en métal. Bon, ça, ça fait chier. Complètement honnête. Cet endroit est cool. Ça peut être notre nouveau camp. Par contre, je sais pas s'il est près de choses intéressantes. Ça peut être notre camp. On peut casser ça, la chaise là, les cartons pour faire de la place. Ouais, par contre, on est méga lourd. On a récupéré le lapin. On a ça aussi. Ça, on pourrait le... Le faire cuire. On pourrait le faire cuire. On va le mettre là. Je sais pas pourquoi il y a une sorte de câble ou de fil là. Très moche. Ouais, honnêtement, je suis content. Très très content. On va faire ça vite fait, histoire de d'attendre que le vent s'arrête un peu là. C'est un peu chiant. Ok, parfait. Donc on peut mettre ça. Après on a 2 morceaux de viande et du bois. Ok, maintenant on est bon. Il y a plein de trucs à vérifier. Ah, on peut faire un feu à l'extérieur aussi. Mais c'est super cet endroit. Il y a plein de trucs partout. This stuff will come in handy. Mais grave, mais grave. Ça, ces caisses, c'est abusé. C'est des tonneaux en plus. Genre 2 bois pour une et une ferraille pour 20 minutes. C'est complètement absurde. C'est honnêtement, comparé au reste, genre pour casser une caisse qu'on fait tomber, normalement elle se cassera en 1000 morceaux, genre instantanément il faut des fois 20 minutes. Genre la planche là, il faut 20 minutes pour la couper. Non, pas 20 minutes quand même. Ouais, c'est abusé. Ces nouveaux trucs là. Ces nouveaux tonneaux. Par contre, là on revient un peu au... Il y a un truc derrière. On revient un peu... Où il faut faire attention comme avant, c'est-à-dire que là c'est plus vraiment... Ouais, c'est un journal, on s'en fout. C'est plus vraiment les loups gris, c'est les loups normaux, donc là il faut faire un peu plus attention quand même. Mais c'est vraiment cool. Vraiment sympa. Puis ça a l'air grand. Faut qu'on fasse un petit tas de bois. Je sais qu'on a encore des choses à explorer derrière, mais je veux juste un peu m'avancer, voir ce qu'on peut trouver. Ok, donc on a une route qui continue. On a encore des champignons. Oh, le seul truc, c'est que je crois qu'il n'y a pas de lit. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de lit dans le mobilhome. Donc ça, c'est un problème.
Par contre, je veux voir ce qu'il y a là-bas. Oh mon dieu. Ok, là ça retombe sur la route, ça marche. J'ai envie de dire c'est limite mieux que BlackRock, parce que BlackRock c'est grand. Là c'est pas très grand, en fait c'est comment dire, c'est des couloirs à chaque fois, c'est toujours des couloirs. Des enchaînements de couloirs. Donc c'est plus simple. Mais il y a tellement de trucs. Bon, par contre là on a vraiment un temps pourri. Après je pense que c'était surtout protégé par un loup. Je pense que on en a fait le tour. Donc on devrait être tranquille. Ah oui, il y a les lapins aussi, ça. Il y a les lapins. Nous, on a récupéré un. Il y en a encore un à faire. On a deux morceaux de viande à l'extérieur à cuire. Et on a ça à faire à cuire aussi. Ça, ça me dérange tellement, ces boîtes en carton toutes pourries à 27 minutes. Quelle perte de temps. Si au moins il y avait quelque chose dedans. Genre une heure pour casser un carton. Enfin deux cartons, pardon. Là, c'est complètement absurde. Je suis d'accord qu'on n'a pas vu de lit. Hein. Ah si si si, il y a des lits ici. J'ai un lit. Oh, c'est parfait. C'est parfait. Donc du coup, on peut faire ça. On n'a pas vraiment besoin pour le moment. Après, je crois que même en le laissant par terre, vous pouvez me corriger hein, si j'ai tort. Mais même en le laissant par terre, je crois bien qu'on peut, qu'il va quand même perdre des pourcentages. C'est un peu chiant ça. Non, ça je vais les garder sur moi parce que les pointes de flèche c'est pas lourd déjà. Et de deux, si jamais on en a vraiment besoin. Enfin qu'on part d'ici, que je m'en rappelle plus, qu'on les a posées. Ça serait chiant. Donc les pointes de flèche on les garde. Par contre je voulais reposer... Ah oui, les bouts de métaux. On en a des bouts de métaux? Non, on n'en a pas fait parce qu'on n'a pas cassé le truc. Ça. Très bien. J'ai envie de casser cette chaise, ça fait 2 heures. C'est chiant, mais bon. Il y a aussi ce carton de merde là. Ça me rend fou. Voilà. Moi, là, il y a ces câbles là, que je voudrais arracher, enlever là. C'est très moche. Cette chaise, elle m'énerve. Elle est en plein milieu aussi. Il y a plein de trucs qui m'énervent. On va boire de l'eau. On va pas boire l'été. Parce que l'été, on pourra les réchauffer. Parce que j'en ai un... Enfin, pas l'été. Ouais, les tisanes. J'en ai une en trop. Parce qu'à chaque fois, moi, j'en garde que deux. J'en ai une en trop. Ok, le temps s'est détérioré, c'est bien. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. La lampe, qu'est-ce qu'on fait, la lampe? On la garde ou pas? Je suis en train de me dire, est-ce que la lampe, on pourrait pas la poser, peut-être? Enfin, quoique, non, si jamais on trouve des... Encore, genre, des grottes ou des trucs comme ça, non, je préfère. Par contre, le gibier, j'ai bien envie de le laisser. J'ai bien envie de le laisser, de pas l'utiliser.
pas à l'abri du vent. C'est pas mal là. C'est pas mal. C'est pas mal. Parce qu'il faut bien comprendre que, pour ceux qui sont, on va dire, nouveaux, hein, comme d'habitude, si jamais il y a des nouveaux, ça peut les aider. Quand il y a du vent, quand il y a une tempête comme ça, la plupart du temps, le froid, en fait, il vient vraiment du vent lui-même. Donc, si vous vous cachez, des fois, il fait pas si froid que ça. Hein. Là, on a vu qu'on avait que deux flèches vers le bas. J'aurais dû même regarder combien il faisait, en fait, genre le froid ressenti. Mais voilà, il faisait pas extrêmement froid. Qu'est-ce qu'on pourrait aussi casser qui gêne ça? Voilà, très bien. Il commence à faire nuit par contre. Il est fatigué. Et il fait pas froid, donc on va pouvoir en profiter. J'ai rien dit, c'est parce qu'on était bloqué du vent. Je voudrais voir de ce côté. Il y a tellement de choses à voir, oh là là. Trop bien, trop bien cet endroit. Genre là, il y a quoi? Est-ce qu'on a faim? On a faim. On devrait peut-être faire un feu. Et cuire ce qu'on a, déjà. Comme ça, ça sera fait. Parce que là, on a un peu de bois d'avance. On n'a pas fouillé toutes les voitures aussi. Comme ça, ouais, comme ça on se réchauffe en fait à l'extérieur. On cuit les viandes, comme ça ça sera fait. Et après, je peux m'en... J'ai cru entendre un truc. Et comme ça on peut faire aussi un peu d'eau et rester à l'extérieur. Un peu plus longtemps pour fouiller tout notre périmètre, parce qu'il y a encore des trucs à voir. Il y a ça, les bois là, je voudrais bien les casser. Okay. On est bon. Moi je vous dis, on va rester ici pendant un moment. Je vous dis, on va rester ici pendant un moment. Alors, je sais plus si si ce feu-là... Oh. J'entends un truc. J'ai rêvé. J'ai dû rêver. J'ai cru entendre un truc qui marchait.
Enfin bref. Je sais plus si le... Si c'est protégé du vent. Dans le bidon comme ça. Je crois oui, hein, je suis pas sûr en fait. À 2 heures. Je suis pas très serein en fait. Feels like night is coming. On va voir comme ça. Très bien. Encore 2 heures, ça c'est 40 minutes, 30 minutes à peu près. On a encore, je crois, peut-être des caisses. Ah putain, on voit rien, j'aurais dû prendre une torche. Ah, chaise, 40 minutes. Ok, parfait. Ok, pour se déplacer dans le mobilhome pendant la nuit, ça va être relou. Très bien. Encore une heure. On a ça. On va mettre ça là. Encore 40 minutes. On peut casser ça, 20 minutes. Ah merde, ça a cassé les deux. Okay. Encore 20 minutes. On se met toujours accroupi au cas où s'il y a quelque chose qui se ramène. Non mais, je rêve ou quoi? J'aurais quelque chose genre en haut? Non, y a rien du tout. Non mais c'est moi qui pète un câble. Non, non mais y a rien. Hein. J'ai vraiment l'impression de des fois d'entendre quelque chose qui bouge en fait. Encore 2 heures. Ah oui, on a ça aussi. Allez, je... Allez. C'est juste, je crois que c'est en fait, c'est la montagne qui est juste derrière le mobilhome. Où on entend... Genre des graviers tomber et tout ça, je crois que c'est ça en fait. Je crois que c'est complètement ça. Faut qu'on prenne les deux pots de des pêches en sirop là, ou je sais pas quoi. Sirop, pêche au sirop, c'est ça. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre à laisser à l'intérieur? On a ça. Ça. Hmm.
J'ai envie de laisser un peu de tissu aussi parce qu'on en a beaucoup. Ça faudra y penser, le tissu. Le tissu c'est super important. Faudra vraiment pas l'oublier si jamais on part d'ici. Ah, on va peut-être en profiter aussi pour réparer tous nos vêtements si on peut récupérer un peu de tissu et tout. Donc on a encore une heure, la neige doit fondre. Ah putain, est-ce que je suis à côté? On a toujours l'ouvre-boîte sur nous aussi, c'est 0,25, on peut l'enlever. Dans 5 minutes, bouille dans 8 minutes, ok, tout est prêt bientôt. On n'est pas trop... Deux, 3 heures. Est-ce qu'on a... Voilà, très bien. Alors, faire gaffe, ça. Ça. Eau potable, eau potable. Là, ça, on peut toujours manger. Oula, c'est compliqué. Vu qu'on est à côté du feu, c'est compliqué ce qui se passe. Non, non, ouais, ça a pas récupéré. Ça, ça récupère pas les pourcentages. Mais on peut le manger quand même. Voilà. Très bien, ça donne de l'eau. Et on a du réchauffement. On aurait pu le garder à côté aussi. Qu'est-ce qu'on pourrait casser encore? Faut aussi penser à dormir. Genre une, deux heures, non merci. Ah oui, oui, le tonneau, le tonneau, le tonneau. Ah, du coup, la hache, ça y va, là. Hein. Ça aussi, c'est 20 minutes. Qu'est-ce qu'on a sur nous comme viande? On n'a pas de viande, ça. Là. Très bien. Je voudrais qu'elle se réchauffe et qu'on boive en même temps. Donc, du coup, on va faire ça. Voilà, 6 minutes. Très bien, elle est un peu fatiguée, donc on va pouvoir dormir. Je crois que ça va être la fin de notre épisode. Ça va être l'épisode un peu court. Mais honnêtement, j'ai envie de dormir un long moment et d'être prêt en fait pour l'aventure d'après. Pour comme ça on enchaîne et pas de couper en plein milieu de l'aventure, vous voyez ce que je veux dire? C'est con hein, qu'il y ait la réserve de bois là derrière, genre le la boîte qui soit complètement derrière. Parce que sinon, j'aurais bien voulu mettre le bois là-bas, mais bon, c'est relou de faire des va-et-vient comme ça, là. Très très chiant. Ça, on va le garder là. Ça ici, ça là. Niveau calories, on s'en sort bien ou pas? On est presque au max. L'eau, ça va. Ça va, ça va. Honnêtement, c'est potable. Honnêtement, c'est potable.
si je me mets là. Eau potable. Encore 2 heures. On va sûrement se réveiller en plein milieu de la journée, mais bon. Il fait de plus en plus froid, c'est bien. Faudrait que le vent change, qu'il vienne en pleine face, que je vois vraiment si c'est protégé. Mais normalement, oui. Normalement, oui. Puis après, quand on repartira, on repassera... Enfin, on va sûrement repartir vers Black Rock. Du coup, on ira par la grotte et tout ça, récupérer toutes les peaux. Enfin, honnêtement, on n'a même pas besoin de récupérer, à proprement parler, les peaux. Parce que on va coudre nos vêtements, en fait. Directement. Honnêtement, on a un super endroit. On a un méga endroit. On va rester ici pendant un moment. Il y a juste les flèches qui me font un peu peur. On a très peu. Enfin, très peu. On en a 9 quand même. C'est pas mal. Hein. 9, ça fait beaucoup de morts. Hein. Mais on en a 9. Voilà. J'aurais bien voulu en avoir un peu plus. Je crois que j'en ai encore 5 à faire. Oh là là. On a plein de... Ouais, j'en ai encore... Non, 4. Ah non, mais c'est par 2, pardon. Ok, encore, on peut le faire encore 2 fois. Et on en a... 6 et 9 encore. Et on en a laissé dans... vous vous rappelez, on en a laissé dans la grotte. Hein. Donc on en a plein. Ça, c'est vraiment, vraiment cool. Là, on va aller dormir, par contre. Okay, très bien. Quatre litres, pardon. Trente-sept kilos. Ça, on garde là. On est bingo. C'est bon, on va dormir. Ça va être la fin de notre épisode. Ultra content de cet endroit. C'est super fun. C'est super fun parce que, comme j'ai dit, c'est un des styles d'endroit, en fait, que j'aime beaucoup. C'est pas très compliqué. L'endroit, c'est pas extrêmement large non plus. Donc on en voit la fin si on veut. Ah oui, c'est vrai qu'on a 4. Du coup, attendez, on va en déposer 2 sur le feu et on va les laisser. Genre, c'est pas... Pour se diriger, c'est pas la mort. Merde. C'est pas extrêmement dangereux non plus.
Ah oui, parce qu'on a ouvert les deux conserves. Même les conserves, c'est vrai que maintenant elles deviennent intéressantes. Parce qu'on peut faire des bombes avec. Donc tout est bien. On a un peu de tissu, du métal. On a un établi. On a un établi, on a beaucoup de bois. Les têtes de flèche, comme j'ai dit, on les garde. On a beaucoup de bois. La hache, elle est un peu morflée. On a une pierre sur nous. On a une pierre qui est à 100%, donc ça va. Honnêtement, c'est cool. Je vais être honnête. Honnêtement, c'est tip-top. Bon, allez, cette fois, on va dormir pour de vrai, parce que sinon, elle va mourir. Ok. Allez, à la prochaine. Merci beaucoup d'avoir regardé. Portez-vous bien.